Donc maman est vraiment morte. Ma mère meurt en l'enterre et je ne suis pas au courant. Comment tu peux dire une telle chose en de pareilles circonstances? Je ne t'ai pas demandé ton avis, Fatima. Ce n'est pas toi que je m'adressais. Aïe, aïe, aïe. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi si maman est morte. Aïe, si tu ne voulais pas me faire du mal, elle serait encore en vie. Elle est morte en venant me voir à l'hôpital. C'est donc de ta faute à Ellie. Aïe, aïe. Ouais. Aïe, 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 Madame, madame, s'il vous plaît, cessez de brutaliser le gouverneur. Laisse-moi le cas. Non, ma mère. Non, ma mère. Madame. Laisse-moi. Laisse-moi. Aïe, aïe, aïe. 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 S'il te plaît, tu sais que c'est la douleur et qu'elle ne le pense pas vraiment. Calme-toi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je suis vraiment désolée, son excellence. Toutes mes condoléances. Je suis venue vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Bonsoir, madame. Tu étais où depuis? J'étais malade. Je viens de sortir de l'hôpital et c'est quand j'ai vu que je vais un peu mieux que j'ai décidé de passer. Toutes mes condoléances, madame. Merci. Je n'ose même pas imaginer ce qui vous arrive en ce moment. Mais je vous souhaite beaucoup de courage. Je sais que vous en êtes capable. Merci beaucoup. Merci. Au moins une qui n'a pas d'yeux sur mon mari. Contrairement aux autres, elle est venue s'asseoir près de moi au lieu de s'asseoir avec mon mari. Ça veut dire que c'est quelqu'un de bien.